Bonsoir à tous. Nous avons profité d'une après-midi bien ensoleillée dans l'ensemble avec aussi quelques averses du côté de Pointe-Noire. Découvrons ensemble les images satellites. Nous distinguons principalement l'onde tropicale numéro 23 qui se situe en Caraïbe et qui remonte sur Hispaniola et l'avancée de l'onde tropicale numéro 24 qui devrait atteindre la moitié sud de larc dans les prochaines heures. Mis à part quelques averses sur le relief, voire sur le nord de la Basse-Terre en deuxième partie de nuit, la soirée et la. La nuit s'annonce plutôt calme et peu nuageuse et les minimales seront douces avec 24 degrés. La journée dominicale s'annonce très agréable avec un astre solaire bien musclé. Les ondées seront rares et isolées sur les îles du Nord. La journée est bien ensoleillée dans une atmosphère légèrement brumeuse. Les ondées seront rares et discrètes. Les maximales seront chaudes demain avec 34 degrés. L'alizé faiblit sensiblement demain entre 10 et 15 km/h de secteur est à est-nord-est sur les îles du Nord, il sera faible à modéré de secteur est-sud-est -est à secteur est et soufflera de 15 à 20 km/h. La mer s'amortit, elle reste agitée sur l'océan avec des creux d'un mètre cinquante par houle de secteur Est et sur Saint-Barth et Saint-Martin, elle s'amortit également demain pour devenir peu agitée à agiter avec des creux compris entre un mètre vingt et un mètre quarante par houle de secteur Est. Cap sur nos marées, les marées basses sont attendues à Pointe-à-Pitre à 8h47 et 19h30, les hautes à minuit 30 et 16h27. À Saint-Martin, une marée basse aura lieu à 10h55, une haute à 20h10. Le le soleil se lèvera dès 5h46 pour se coucher à 18h38. Quelles seront les tendances pour ces prochains jours Lundi, le temps sera instable en matinée avec des averses parfois orageuses. De plus, avec la faiblesse du vent, des nuages se développent l'après-midi. Ils sont de nouveau porteurs d'averses potentiellement orageuses. Sur Marigot et Gustavia, le temps sera chaud et ensoleillé avec un alysée très discret. Cependant, quelques averses peuvent se déclencher en cours d'après-midi. Mardi, la journée est assez bien ensoleillée et aussi chaude, avec quelques bonnes averses isolées. Sur Saint-Barth et Saint-Martin, on conserve un alisé très faible et le temps devient un peu plus humide et instable. De bonnes averses peuvent se déclencher dès le matin et perdurer l'après-midi et la soirée. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Pour mercredi et jeudi, l'atmosphère est humide durant ces deux jours avec de nombreux nuages, mais aussi des averses qui peuvent être parfois orageuses. Sur les îles du Nord, c'est une belle matinée ensoleillée. Mercredi, puis quelques averses arrosent nos îles l'après-midi avec des risques d'orage. Les averses se poursuivent jeudi. Découvrons ensemble la qualité de l'air prévue pour demain. Les indices ATMO devraient être dégradés pour toutes les communes de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Ce bulletin touche désormais à sa fin. Merci de votre fidélité. Demain dimanche, les Juliettes seront à l'honneur. La petite phrase du jour on a deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Que votre soirée soit douce et agréable sur la première.